Wow. Wow. Vous êtes si ennuyeux. Je dois toujours régler vos problèmes. Scarlett. Chérie. Je suis désolé. Hey, Scarlett. Oh. Donc tu me réponds maintenant. T'es pas rentrée à la maison depuis trois jours. Je suis désolé, j'étais... J'avais plein de boulot et j'étais vraiment trop occupée. Mais tu sais quoi? Ce soir, je pense qu'on devrait... On devrait dîner ensemble. J'ai loué une maison magnifique. Juste pour toi et moi. Oliver, je peux plus accepter ça. Tu me manques. Est-ce que tu te manques de moi, là? Non, bien sûr que non. J'oserais jamais. Je t'aime. Scarlett, s'il te plaît... Laisse-moi une dernière chance. J'ai préparé tout ça pour toi. Tu sais, je suis pas venue les mains vides non plus. Qu'est-ce que c'est? Arrête, s'il te plaît. Je te l'ai déjà demandé 5 fois. Je veux juste que tu signes. C'est tout ce que j'attends de toi. Mais je t'adore, tu sais. Tu crois vraiment que je vais te croire? Je comprends, oui. T'as raison. Il te faudra beaucoup de temps pour me pardonner. J'en peux plus de tous tes mensonges. C'est fini entre nous, alors signe ça, Scarlett, okay? S'il te plaît, sois honnête avec moi. Est-ce que tu m'aimes encore? Je veux pas. Même pas un petit peu? Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je me souviens combien on était heureux avant. Et je voudrais qu'on redevienne comme ça. Et je veux pas te perdre. Mais si c'est fini pour toi, bien sûr, je ferai tout ce que tu voudras. Scarlett. Mon amour, s'il te plaît, Scarlett. Je veux pas que tu pleures. Parce qu'on fera tout ce que tu veux vraiment, au fond de toi. C'est juste que j'avais plus vu cette facette de toi depuis longtemps. Et tu sais ce que je ressens pour toi. Je suis tellement fatiguée. Tu m'as blessée. Je sais, je suis désolée. Mais je sais aussi que je peux encore arranger les choses. Je peux te prouver que t'es la personne la plus importante de ma vie, parce que tu l'es. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée.
Et je peux te le prouver, si tu me laisses encore une chance. Ma chère Scarlett, je t'aime. Veux-tu être ma femme ? Encore une fois. Et cette fois, ce sera différent. Je te le promets. Oui. Monsieur, je sais même pas quoi dire, mais je voulais vraiment vous remercier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que vous m'avez ouvert les yeux et, encore mieux que ça, vous avez ouvert mon cœur. Je le ferai. Et je n'oublierai jamais ça. Bébé ! Ah, mon amour. Oh ! Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. On y va ? On y va. Bébé. C'est qui ? Ma femme. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre mariage de 20 ans avait pris fin. Mais en fait, ce n'était que le début pour nous deux. C'était le début de notre histoire d'amour. Tu as dit que tu allais passer tout le week-end avec tes amis en dehors de la ville. Et tu as insisté pour qu'on ait une relation libre, tant qu'on n'amène personne d'autre dans notre chambre. Si je n'étais pas là, tu serais en train de flirter avec ce Casanova dans notre lit en ce moment. Tu étais le premier à rompre l'accord. Tu veux demander le divorce ? Bonne idée. Mais je ne laisserai pas la maison à toi et à cette mineure. J'ai presque 20 ans. La moitié de tout ce qui est ici est à moi. Oh, vraiment ? Alors, divisons l'appartement de maintenant. Là, c'est ma moitié. Et voici la tienne. C'est merveilleux. Alors, cette moitié est la mienne. Oui. Et je n'aime pas ça. Non, c'est du satin italien. Oh. Et je déteste ce café. Je l'ai ramené du Brésil. Oh, oups. Jessica, tu voulais qu'on emménage ensemble? Félicitations. Maintenant, on peut vivre ensemble. La moitié de la maison est à toi. Peut-être que je devrais y aller. Bien sûr. Dans ma chambre. Oh non, je veux dire notre chambre, mon amour. Alors c'est déjà ton amour? Eh bien, pour une femme, il est important qu'au moins quelqu'un l'aime. Allons-y. Je savais qu'on était blessés. Après tout, on s'aimait toujours. Mais nous ne pouvions pas l'admettre. Au lieu de ça, on a rendu la vie de l'autre insupportable jour après jour. Pourquoi tu es si triste ? Je veux juste rester seule, quelques minutes. Mais je veux... Mon Dieu, on doit faire un planning des petits déjeuners pour ne pas voir ton visage chaque matin et gâcher mon humeur. Je peux te remonter le moral ? Oh... Pas besoin, chérie. Vous êtes pathétique. Pathétique ? Parce que mon propre mari n'a pas pu me rendre heureuse ? Et les cadeaux, valant des milliers de dollars, ne t'ont pas rendue heureuse ? Ces satanés diamants ne m'ont pas rendue heureuse, au cas où tu ne le savais pas. Super. Alors, tu n'en as plus besoin. Liam,
Liam! Nous y voilà. Encore. Liam! Ouais. Eh bien, je n'ai pas besoin de tes affaires ici non plus. Et si tu en as marre de ta pathétique femme, alors va-t'en d'ici! Il était clair que notre mariage était condamné. Mais on n'arrivait pas à tourner la page. Alors, on continue à se crier dessus. C'est quoi ce bordel? Pourquoi la sonnette ne fonctionne pas? Je l'ai éteinte il y a 3 ans. Pourquoi? Eh bien, le facteur venait le matin et était énervé, alors je l'ai éteinte pour que tu puisses continuer à dormir. J'avais tort pour le collier. Je vais le donner à Harold pour qu'il le répare. Merci. Attends, c'est bientôt son anniversaire. Oui, je sais. Il a dit qu'il voulait le fêter encore dans cet horrible pub. Quoi? Dans ce taudis? Non, on ne va nulle part. Oui. On ne va plus nulle part. Comment en est-on arrivé là? Peut-être qu'il est temps de parler. Oh, maintenant tu veux qu'on discute? J'ai toujours été prêt à parler. Quand? Quand tu rentrais à la maison après le travail? Que tu t'asseyais pour boire un whisky devant la télé? Ce n'est pas le genre de conversation que Parce je veux que avoir. C'est impossible de te parler de quoi que ce soit. Tu te vexes pour rien. Eh bien, je ne me souviens pas que tu aies essayé très souvent. Tu as déjà essayé. Je ne sais pas, moi j'ai essayé. J'ai essayé une fois, mais j'ai arrêté. Pourquoi, Betty? Qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, j'ai arrêté de me sentir désirable et utile. Tu fais toujours passer ton travail avant notre relation. Et aussi cette proposition à propos d'une relation ouverte. Je veux dire, pourquoi? Pourquoi ça? Je pensais que ça nous rendrait plus heureux. Et pour ton information, je n'avais personne à part Jessica. D'après l'expression de son visage, j'ai compris qu'il avait toujours des sentiments pour moi. J'ai senti qu'il m'aimait encore. Où allez-vous? Eh bien, on s'est dit qu'on allait sortir chercher quelques bières et pizzas pour regarder la finale de la saison. Pizza et bière? Oh non, certainement pas sur mon canapé. En fait, j'ai aussi droit à la moitié de ce canapé. N'est-ce pas, mon amour? Eh bien, Jessica, Betty a raison. Ce canapé est cher. Quelle différence ça fait? T'as beaucoup d'argent, achète-en un nouveau. Charlie? Qu'est-ce qui te prend, enfin? Tu devrais m'écouter pour te débattre. Bon sang, on en a assez d'entendre vos ordres. Si vous voulez dire à quelqu'un ce qu'il faut faire tout le temps, ayez des enfants! Ouais. Et de toute façon, on en a marre de vivre avec vous, bande de vieux tarés. Au revoir. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas encore d'enfants? Eh bien, je pensais que tu ne voulais pas d'enfants à cause de ton travail constant et tes voyages d'affaires. Qu'est-ce que tu racontes? Je quitterais ce travail si on avait des enfants. Eh bien, je n'ai que 45 ans. Cameron Diaz a accouché à 47 ans. Oh, ouais. Ouais. Eh bien, viens par là, ma starlette d'Hollywood. À ce moment-là, on a tous les deux compris que tout amour peut être sauvé. L'essentiel est de ne pas oublier de se parler. Et alors, qui sait? Peut-être votre amour sera-t-il éternel comme le nôtre ?